devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum avec un abonné, avec Ouranox, donc un abonné qui est quand même assez présent sur la chaîne, qui commente souvent les vidéos. Et il a l'air très très content de me voir, donc en tout cas, allez, petite dédicace à lui. Hop, alors, en face, donc on est avec les Cadopou. Et donc en face on a un Sacri, un Zobal. Bon, on a quand même, je crois, ils ont quand même l'avantage de la composition. Bon, nous on a quand même un Sacri, donc ça va le faire. Ça va être plutôt sympathique. Donc là, ce que je vais faire, je vais invoquer le Doppel pour la double roulette. Je vais booster ma team avec Perception. Non, je pourrais pas booster ma team entièrement, c'est pas grave. Et je vais pas faire Odora tout de suite. Je vais plutôt me faire un trèfle et je vais me mettre là. Je vais m'avancer. Comme ça, je pourrais donc aller faire du dopo. Ouh, la roulette de paire en plus qui est vraiment très bienvenue. Et là, voilà. Le Doppel EK flip is not shit. Le Doppel EK qui se fait vraiment plaisir, qui vient de faire du 300 au bluff. Dans agilité, donc du 305, du 122, du 178 et du 187. Là, il y a du plastron qui est lancé avec le Zobal. Donc, il y a quand même là gros avantage avec la compo, leur compo. Mais bon, c'est pas grave. On est là juste pour faire du dopou, pour montrer un peu le Rox. Oh là là, 1700 points de PB. Là, c'est un peu perdu de notre côté, mais bon, c'est pas très grave. On va quand même y aller, on va quand même aller se faire plaisir. En plus, là, je suis vraiment boosté comme un gros bourrin. On va y avoir du gros dopou, 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 dopou. Et là, en plus, il y a une zone de pou avec les K-flips qu'il y a là. Non, Maxime, retiens-toi. Là, ça va faire plutôt mal. J'ai pas mis le turbulent, donc du coup, je suis pas en 12 PA. Je suis un peu con. J'ai oublié ce détail-là, mais bon, c'est pas très grave. On va quand même pour aller faire du gros dopou. Bon, là, invocation de l'épée volante, c'est pas très grave. Là, du coup, c'est plus position de dopou. Ouranox qui est en train de se booster. Ça serait cool qu'il nous envoie un des persos Ouranox, hein, notre petit Ouranox. Où je vais rusher comme un porc, c'est à voir. Là, en tout cas, l'épée volante, je vais la dégommer. Elle a rien à faire là, cette petite épée volante. Donc là, Ouranox qui fait une douleur partagée sur le Yop, etc. Bon, ça, c'est plutôt bien. Alors, on va lui demander, tu pourras TP un des persos. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Alors là, le Feka qui a fait toutes ses armures, il a pas fait dans la dentelle, j'ai envie de dire. Et puis, moi non plus, je vais pas faire dans la dentelle. Vu que je vais me booster avec Odora pour le prochain tour. Je me demande... Non, ça serait trop risqué d'y aller ou pas. Non, c'est trop risqué d'y aller. Donc du coup, tout simplement, je vais me booster. Et je vais lui demander si c'est possible. Et bien tout simplement de le placer là, je vais tuer l'épée volante, voilà, au moins ça c'est fait. Et je vais juste lui demander s'il peut l'envoyer devant moi. Tu pourras le TP devant moi. Ça serait fabuleux qu'il fasse ça, ça serait magique. Alors, là il y a une maîtrise des armes du Zobal, il y a une cabriole. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Peut-être qu'il est en train d'essayer d'éviter la TP. Il fait des cabrioles, non, il est en train de se booster à la puissance en fait, tout simplement pour faire de gros dégâts. Là, il est vraiment gros boost. Et là, ça serait trop swag qu'on puisse avoir le Zobal prochain tour. Le Zob, ça serait cool. On va lui demander, et juste pour montrer la puissance du dopou. Même s'ils sont sous les armures, on n'a pas de debuff dans notre compo. C'est pas très grave. On fait avec les moyens du bord. Là, le Yop qui se booste encore. Bah, booste-toi avec puissance, etc. Hein, parce que là, prochain tour, ça va être le gros tour bourrin. Mon petit... Ça va faire mal. Ça va faire mal. Non, tu veux pas te booster. T'as pas l'air de vouloir te booster puissance. Personnellement, je me serais boosté. Ouh, le Sacri là. Qui est en train de faire le fifou, tout simplement. Alors là, c'est un Sacré. Parce que...
Il va faire mal, il va faire mal. Bah, en tout cas, je vais lui faire mal. Et en tout cas, les deux autres là, le Feka, etc., ils vont s'occuper du Yop. Et le Yop, malheureusement, je pense là, il est en position d'oppo, etc. Il va faire plutôt mal. Alors là, il transpo le Yop, c'est plutôt bien joué. Et une grosse dissolution en plein dans la zone, comme ça, il va pouvoir se régène. Et je vais juste répondre. Hop, à Kandora, Kandora, je colis. ATT, je filme. Voilà, donc là, le Feka qui fait des mises en garde, des aveuglements. Un aveuglement qui a été esquivé, un gros retour du bâton, de gros gros retour du bâton. Et là, on va y aller. Là, ça va être l'heure du dopou. Du dopou. Du dopou. Allez, on y va, même si on va pas faire de gros dégâts vu qu'il est sous les armures, on fait du deux-poux à 671. On va encore faire du deux-poux à 326, 237 cette fois-ci. Et on va finir par une petite libé à moins 478 sur ce sacré qui perd encore 2 PM, qui a plus que 3 PM, le Doppel-EK qui fait encore une roulette 2 PA. Et là par contre là ça va être au tour du sacré de prendre très très cher avec les deux-poux. Du Zobal. Prend vraiment très très cher. Il est en train de dire qu'il kiffe, mais il est plutôt en train de se faire sodomiser, le pauvre Ouranox. Ouh, le Zobal qui a fait de gros gros de poux là. Et là, ça va être au tour du Yop de roxer le Sacrieur. Il a des dagues. Putain, mais quel Yop en mousse de faire des dagues agaçantes sur un Sacri. Ah, c'est session de poule, hein. Même le Yop ici, mais pour vous dire, c'est grosse session de poule. Alors là, le Sacri qui va pouvoir quand même faire très très mal au Yop. Il est boosté. Il a juste ce qu'il faut là. Mais par contre, on est en train de se faire défoncer tout. Ouh, la dérobade! Alors là, ça serait bien. Que, tout simplement le Yop se barre là, là va y avoir du do pou do pou do pou, va y avoir du do pou pou, du do pou du do 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 pou. Ça va être tellement moche, tellement moche. Alors je vais lui dire de laisser le sacri là où il est. Alors là, le sacré qui se prend du moins 104, du moins 122 avec de la dissolution. En fait, avec Fraction, la punie qui est lancée à moins 313 sur tous les personnages grâce à Fraction. Le sacré qui commence à prendre quand même pas mal de dégâts. Vu qu'il a 3735 points de vie, la prochain tour, il va prendre tellement cher, tellement cher. Oh là là là. Alors. Ça dépend ce que je veux faire. Ouais, si je vais faire ça comme ça, là, il est en train de prendre. Là, le sacré qui va bientôt mourir. Hein, notre sacré de notre côté, Ouranox, 818 points de vie. En plus, il est OR en Hellmonster. Tiens, un sacré OR. Alors là, préparez-vous, parce que là, ça va être monstrueux. Ça va être affolant. Vous allez bander, vous allez jouir. Oh, la roulette 400 intelligence, c'est pas grave, on s'en fout. Destin sous des robots du 731. Encore du de peau la peau la peau. Et là, par contre, on est baisé. On peut plus faire de peau. Ah si, on va faire du de peau comme ça. Ah, il a bougé le bougre. Il a bougé. Non. On va se placer là, comme ça, si. Le Doppel-EK, il lui prend une phobie de venir taper sur le sacré. Non, voilà, il va juste faire une roulette à 400 intelligence. Par contre, là, le perso intelligence, il va faire horriblement mal. Le sacré, notre sacré à nous, va faire horriblement mal. Et là, le Zobal avec ses deux poux qui finit notre sacrieur Ouranox. Dommage pour toi, Ouranox. C'est pas très grave. Là, va y avoir des pressions. Encore une autre pression. Une épée de Yop à moins 346, ce Yop qui fait pas de gros gros dégâts. Mais est-ce qu'on va pouvoir finir le Sacrieur? Prochain tour, ça m'étonnerait. Le Feka qui pourra par exemple lancer, eh bien tout simplement,
Par contre, la punie qui me tombe dessus à moins 1300 qui pourra tout simplement lancer immunité. Mais le Fekka, j'avais pas fait gaffe, il est encore dans un sale état lui aussi. Alors, là, il est en train de me taper vraiment très très fort le sacré. Hein. 1700 points de vie. Voilà, ITP. Est-ce qu'ils vont essayer de me taper? Ils sont en train de me rusher là, les bougres. Ouais, c'est ça. Là, c'est tour de rush. Le Fekka qui va se prendre, eh bien, tout simplement, du dopou. Hop, voilà. Ça va être gros dopou. Sur le Fekka, tout simplement. On va encore pouvoir faire encore un petit dopou, je pense. Ensuite, on jouera safe. Voilà, encore du 347 au dopou. Et là, on joue safe. On joue chance des cas. C'est soit ça passe, soit ça va casser. Le Zobal, pour le moment, il peut rien faire. Là encore une roulette de PA, ce Doppel qui me rend fou à faire des roulettes comme ça. C'est un truc de ouf, hein. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Bah là, il va faire les plastrons, voilà, machin. Il va sauver son Fekka. C'est sûr et certain, ça. Ou il essaye d'avoir la PO. Cabriole. Il lui reste 4 PA encore. Voilà, il va faire un bouclier. À moins qu'il n'ait pas la PO. Est-ce qu'il va avoir le temps de teaser ses 4 PA? Je sais pas comment il pourrait les utiliser. Non, il va pas avoir le temps, malheureusement. Voilà, ça c'est très bien. Le Fekka qui va mourir grâce au Yop. Du moins, je l'espère. Qu'est-ce qu'il part faire là? Qu'est-ce qu'il fait? Il a peut-être la précipitation de prête. Hein, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire là, il se précipite. Non, il va pas faire encore des dagues. Oh là là, des pressions. Deux intis sûrement en dopou. Des intis à 89. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il aurait dû aller tuer le Fekka avec un bon plus précipitation. Oh, et là je meurs. Non. German. Il m'a mis tellement cher, tellement cher. On n'a même pas réussi à tuer un seul des personnages. Bon, on va leur dire GG quand même. Et puis c'était grosse session Rox, grosse session Dopou en mode psychopathe. J'avais la forme aujourd'hui et j'espère que ce colis vous aura plu. Même si on a perdu, je vais quand même vous le poster parce que les Dopou, ils sont vraiment jolis. Et j'adore mon commentary quand je suis fou comme ça. Donc allez, tchuss tout le monde.